Et y a tout le monde CBZ en soi aussi pour une petite vidéo explicative, etc. Donc j'ai pas mal de trucs à vous dire, donc sur les Z, enfin sur plein de trucs. Donc voilà, donc j'étais censé être accompagné d'Hirolams, etc. Mais enfin voilà, donc ils sont un peu occupés, donc tranquille. Donc on va commencer le reset. Donc déjà, le reset s'effectuera le dimanche 28 entre 15 et 16 h. Donc voilà, donc de toute façon pour cela c'est très simple, vers 15 h ou vers 16 h, entre 15 et 16 h, vous allez sur le MODD d'Iceward, donc qui se trouve ici là, hop. Voilà, et normalement ce sera indiqué quelque part quand l'ouverture, etc. Voilà, donc il réouvert, enfin la réouverture sera le dimanche 28 entre 15 et 16 h, ou un peu plus, je sais pas, mais non, entre 15 et 16 h normalement. Et le serve se verra fermé le vendredi après-midi, donc le vendredi 26 après-midi, donc voilà, donc en fin d'après-midi vers 17 h, ou enfin voilà. Pour la maintenance, donc une maintenance pour tester les plugins, les nouveaux plugins, enfin voilà, donc toutes les nouveautés qui vont arriver, ainsi que remettre les nouvelles maps, etc. Enfin tout régler quoi, comme vous les avez compris. Voilà. Donc les nouveautés, donc nouveau spawn, nouveau lobby, donc nouveau lobby, nouveau spawn, nouvelle warzone, donc grosse warzone plate, donc sans les trucs dégueulasses qu'on peut voir actuellement là, hein, parce que là j'ai juste à vous montrer, voilà, donc regardez, il y a des fleurs, du feu, enfin je sais même pas si ça fout là, c'est dégueulasse, mais enfin voilà, donc une belle warzone toute propre, toute nickel. Donc il n'y a plus d'eau, enfin je crois. Ouais, il n'y a pas d'eau dans la Warzone. Pas dire de conneries, mais à part de... Ouais, enfin voilà, normalement il n'y a pas d'eau. En tout cas, il n'y a pas de grand lac comme ça. Pas de montagne, tout plat. Pas d'herbe. Donc voilà, les KOTH qui font leur retour. Donc les KOTH, pour ceux qui savent pas ce que c'est, je vais vous montrer vite fait. Normalement, où il y a un KOTH sur cette map vers là-bas, je crois. En gros, pour tous ceux qui savent pas ce que c'est un KOTH, je trouvais. Donc voilà, donc un KOTH c'est ça. Donc là ils sont vraiment petits, donc on les a changés, donc ça va être du 60 par 60 ou 50 par 50, je sais plus trop. Mais donc voilà, donc en gros vous rentrez dans la zone de capture, donc là elle est un peu petite. Mais enfin, donc là c'est du 3x3, donc en gros vous restez ici, vous capturez, et puis donc l'équipe gagnante, et voilà. Mais là ils étaient désactivés cette saison en plein milieu parce qu'il y a eu quelques problèmes avec le plugin, mais tout ça est de retour. Après, un autre plugin qui viendra, enfin voilà, donc un autre plugin un peu spécial que vous verrez qui fera son apparition, et un autre plugin normalement aussi qui est en cours de codage, donc je sais pas s'il sera terminé à temps, mais normalement oui. Qui sera un pas mal, un truc Teven, donc c'est un peu du style KOTH, mais qui aura, enfin vous pourrez gagner du stuff, etc. Donc voilà, donc je vous en dis pas plus. Donc en gros ce sera un boss, etc. Voilà. Donc je vous en dis pas plus là-dessus. Sur les nouveautés, vous verrez bien la réouverture. Autrement, oula merde, je suis en majuscule. Autrement, qu'est-ce que je voulais dire? Donc nouveau spawn, nouveau. Nouvelle warp maître, enfin nouvelle warp maître et seigneur du coup. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois que j'ai fait le tour à peu près déjà. Bon après il y aura pas mal de petits trucs aussi, hein, ils vont changer, genre les reports, ils vont changer, donc ce sera plus facile. Enfin pour vous ça risque de rien changer, hein, mais pour tout ce qui est modérateur, etc., ça va changer pas mal de trucs normalement. Donc voilà, donc pas mal heureux, donc pas mal de trucs qui vont changer. Donc voilà, donc je vous dirai ça tout son dans la prochaine. Enfin, dans tout sera marqué dans la description. N'oubliez pas, le reset se fera, donc la réouverture se fera le dimanche 28, pardon, donc entre 15 et 16 h. Tout ça sera indiqué dans les MODD. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On est sur le serveur, ou autrement dans les commentaires ou sur le forum. Donc voilà, tout est mis à votre disposition. Et moi, je vais vous dire ciao et à la prochaine. Allez, bye.